Beau matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour la guidance intemporelle, les messages, les conseils de ce mardi 29 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, petite philosophie du matin, n'est-ce pas? Cette belle pensée positive, eh bien, de ce 29 octobre, avec les autres, si l'on ne fait pas l'effort de bien traiter sa famille et ses proches, on ne traitera bien personne. Voilà, c'est dit. À méditer, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai pigé la carte numéro 9. On peut voir hein, sur la photo de cette carte une magnifique petite fille. Et ça me fait penser à tous ces enfants qui sont dans une guerre différente dans ce monde. Voilà. Ne baisse pas la tête dans tes moments de doute. Lève les yeux et regarde comme l'envie est belle. Le conseil de cette carte pour les finances, ce n'est pas en vous privant de tout que vous réussirez à équilibrer vos finances. Ne sous-estimez pas vos capacités de gestion et faites-vous confiance. Côté professionnel, eh bien, ne vous laissez pas montrer du doigt, n'est-ce pas, si vous êtes en accord avec vous-même. Agissez dans le calme et l'assurance et, eh bien, entourez-vous de belles personnes fiables qui sont alentour de vous pour mieux vous positionner. Côté sentimental, vous replier sur vous-même, eh bien, n'amène jamais la possibilité d'évoluer vers un avenir meilleur. Si vous connaissez des failles de votre histoire, mettez-les en lumière pour mieux les protéger. Croire et vouloir, ces mots sont votre force. Je vais répéter, si vous connaissez les failles de votre histoire, eh bien, mettez-les en lumière pour mieux les protéger. Et je termine avec le conseil spirituel. Les mots des autres sont souvent les mots de leur vécu. Vous êtes unique sur votre chemin. Ressentez l'appel fluide de l'autre monde et soyez votre propre messager. Alors je vais répéter cette phrase. Les mots des autres sont souvent les mots de leur vécu. À réfléchir. Je termine avec le petit message Ho'oponopono. Mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. La nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. Alors, eh bien, développons des sentiments élevés comme par exemple l'amour et la compassion, pour tout simplement attirer à nous, eh bien, un monde de paix et de félicité. Je sais que nous vivons dans un monde pas très sympa, mais vous savez, je sais que nous autres, nous ne sommes qu'un petit grain de sable sur cette planète, mais un grain de sable, parmi un grain de sable, parmi un grain de sable, eh bien, ça fait
Ça fait toute une plage. Donc voilà, développons des sentiments élevés. Développons des sentiments d'amour, de compassion pour attirer à nous un monde de paix et de félicité. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Moi, je vous dis, à demain. Et d'ici là, je vous embrasse.